Hey yo les gens, c'est Shaman Gaming, j'espère que vous allez bien. En tout cas, bah, moi ça va super comme d'habitude. Donc on se retrouve sur GTA 5 pour les véhicules, je sais plus à combien. Enfin bref, là on se retrouve pour la Dinka GTR 2 course. Donc voilà, modifier. Et là il y a ma musique préférée, Def Leppard, photographe. Enfin ma musique préférée sur Road Radio bien sûr, hein, sinon il y en a d'autres. J'ai l'impression que le son de la voiture a été amélioré. Peut-être pas la vitesse, mais au moins le son. Non, moi je dis le son il a été amélioré hein. L'ancienne gestion elle faisait pas le bruit là, enfin j'ai pas le souvenir là, mais je sais pas, c'est bizarre. Ah, c'est chiant de faire le tour là. Pour la cheminée. Voilà. C'est où? Ah oui, c'est là. Merde, je suis ascenseur, il ne coupe pas essence. En tout cas, ça fait vachement cool hein. Les décorations là. On n'a vraiment pas l'habitude de. On va devoir des voitures dans cet état-là, tout simplement. Avec le petit Dinka là qui va bien. Enfin bref. On va les modifier, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de nouvelles modifications. Hein. Je pense qu'il y aura les mêmes que sur la GTR normale. Je peux très bien tomber. Hein, mais... Je pense qu'il n'y aura pas tellement de nouveautés. Alors, le pare-choc custom avec les moustaches. Ah, là je dis oui là. Là, avec le Dinka Terroy, là, c'est simplement énorme. Alors, pare-choc arrière en blanc, on peut le mettre en carbone. Donc, on va le mettre en blanc. Le moteur niveau 4, ah, c'est un truc de fou ça. Échappement ovale, à bout chromé ou de course. De course, klaxon, on s'en fout. Éclairage au xénon. La plaque. Je vais en mettre une blanche. La peinture. What the fuck, on peut changer la peinture quand même. Ah, oh, ça pète là. Ah, oh, c'est un truc de fou ça. En blanc et rouge, elle était pas vilaine. En tout cas, oh, si on met un bleu qui pète là. Oh, un bleu comme ça par exemple. Ça, puis en secondaire, on peut choisir même la secondaire. Oh, ils nous ont bien gâtés là quand même. Ça sera encore mieux sur PS4 parce qu'on pourra mettre des. Comment? Ah non, c'est juste des rétros et ça qui change. Ok. On va quand même mettre rose. Jaune. Les arceaux de sécurité. Donc châssis, arceaux et modification de course. Donc toujours pareil, hein, le petit truc sur le côté, les petites prises d'air un peu partout. Le toit. Donc on peut mettre des persiennes arrière. Ce qui fait vachement stylé. Les bas de caisse custom, sport et en carbone. On va mettre sport. Parce que... Oh, il y a le petit atomique là qui va bien. Qu'on retrouve aussi sur le dirigeable. Alors on va sortir type 2. Et aileron GT. Aileron GT, j'aime bien. Mais aileron assorti, ça fait bien aussi. Parce que vu qu'il y a le Dinka marqué sur l'aileron, tout simplement. On va mettre ça, la suspension de compète, à peine visible, la transmission de course, le turbo, les roues qui sont déjà peintes en rouge.
assez classe. Donc on va mettre des hauts de gamme là-dessus, hein, quand même. Oh, ça se fait pas mal, ça. Bah, j'hésite entre bleu et rouge, hein, pour la couleur. Faut voir en bleu ce que ça donne. Ah, bleu, ça fait pas mal aussi. Je préfère quand même rouge, hein. J'ai même envie de laisser rouge là comme maintenant. Alors les accessoires, par contre, les pneus custom, les pneus à l'épreuve des balles et les fumées de pneus rouges, voilà. Et donc bah, les fenêtres comme sur toutes les voitures. Et donc on a fini de customiser cette si belle Jester. Alors vraiment là, elle est classe quand même. En modifié et tout, avec le petit élan qui va bien. Et puis les sponsors, hein. Donc j'ai pas trop regardé les sponsors qu'il y avait. J'ai vu qu'il y avait Atomic, bah, ça je connais. Sinon là je vois pas trop. Alors par contre on en retrouvera 4 autres, hein, des véhicules comme ça sur PS4. Donc on aura la Stallion Burger Shot, la Buffalo S Sprunk, la Dominator Peace Racer et la Gauntlet Redwood, hein. Donc Redwood c'est les cigarettes. Je pensais pas qu'ils mettraient ça sur une voiture, parce que les cigarettes souvent c'est prohibé, hein, les marques de cigarettes et les marques de boissons énergisantes. Un Sprung c'est un bon exemple. C'est pour ça que sur certaines voitures de course, on n'a pas le droit, enfin même dans les jeux, hein. Dans NASCAR, normalement en 2014 il y avait une voiture Monster Energy et ils l'ont pas reproduite dans le jeu. Donc bah j'ai pas compris pourquoi. Enfin bref. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit like. Salut !